Parlant des cursus précoces en milieu scolaire, moi je pense que les cours seront que les enfants de nos jours aiment beaucoup l'argent. L'argent et autre que les besoins actifs, je veux dire les matériels. Comme par exemple, elle voit son ami qui a une moto ou c'est pas un vélo, de toute façon, elle veut en avoir, donc elle doit aller se poursuivre. En ayant des rapports avec quelqu'un qui jouait par exemple lui en santé et maintenant ça pourrait causer des ennuis pour son objectif. Je pense que c'est ça. Nos amis doivent se faire laisser parler leur conscience. Je vais dire par là. Elles doivent prendre des décisions venant d'eux-mêmes. À propos des cursus précoces en milieu scolaire, comme on le dit souvent, bon, tout chose, ça dépend des moyens. Moi, en tant qu'étudiant, j'aimerais conseiller à mes amis de prendre bien soin d'eux-mêmes, éviter les mauvaises compagnies, être fiers de ce que leurs parents leur donnent, concentrés sur leurs études et bien viser leurs objectifs, de quoi eux ils sont capables de faire dans leur vie. On conseille beaucoup à mes jeunes sœurs ou bien à mes petites sœurs d'adopter cette méthode pour éviter les grossesses en cas
au milieu scolaire, quoi, pour éviter tout ça, là. Tchouka, d'ici Marba, je fais le BTS ici en troisième année à la médiathèque Sokodé. Selon moi, ça me dit quelque chose, parce que les grossesses en milieu scolaire, la première des choses d'abord, même ça détruit notre avenir. Parce que d'autres, lorsqu'ils tombent enceintes, ils abandonnent les classes, ils ne peuvent plus avancer. Le conseil que moi, je peux donner à mes camarades, je peux leur conseiller d'utiliser des préservatifs. Pourquoi même se lancer même dans une relation? Parce qu'une personne, une fille qui a des objectifs donnés, qui se donne des objectifs, elle ne peut pas se lancer dans certaines choses. Qu'est-ce que ça peut lui gâcher l'avenir? Certaines choses, qu'est-ce que si je fais demain, je ne peux pas avancer, elle ne peut pas se lancer. Parce que d'abord, même ça, on commence par l'amitié d'abord. L'amitié, le manque, les mauvais conseils. Donc, tout commence à base de ça. Donc, ce que moi, je peux donner aux filles comme conseil, c'est de leur dire de suivre leur objectif, d'abandonner les relations. Est-ce que même, c'est pas obligé même d'avoir un copain sur les bancs? Parce que quand tu finis, tu as tout le temps d'avoir. Tu as tout le temps de faire ce que tu veux.